Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, quand vous trouvez dans le Mazor de Kippour, alors Mazor, c'est ça, c'est comme l'arabe, ça s'écrit de gauche à droite. Mazor, Shal, Kippour. Alors, Mazor, c'est plutôt dire retour aux portes, retour de la délivrance ou du pardon, hein. Retour du grand pardon. Mazor de Kippour, il est très intéressant à lire. Et vous trouvez dans la prière du matin, Rahmana, miséricordieux, souviens-toi en notre faveur de l'alliance avec Jacob, hein, Shelema, qu'il est intègre, en faveur de il passa, miséricordieux, en faveur de il passa. Et après, c'est Rahmana, miséricordieux, souviens-toi en notre faveur de l'alliance avec Moïse, Moshe. Ah, ça c'est Moshe, Moïse. Ou ça, si vous voulez. Nevia, le prophète. Hein, le prophète. Et vous trouvez après, Rahmana, miséricordieux, en parlant de Allah Ta'ala, Dieu le exalté soit-il, souviens-toi en notre faveur de l'alliance avec Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse, hein, Moshe. Kahana, le prêtre. Kahana, Cohen. Cohen, c'est le prêtre. Hein. Kahana, le prêtre. Donc, après, Rahmana, miséricordieux, souviens-toi en notre faveur du mérite de Yosef, hein, Joseph, Youssouf, Tzadika, le juste. Vous voyez, l'hébreu, c'est un peu comme l'arabe, donc vous pouvez apprendre facilement. Et vous avez Rahmana, Rahmana, miséricordieux, souviens-toi en notre faveur de l'alliance avec David, Daoud. Hein. C'est pareil, David, en hébreu, en français, c'est la même chose. Malka, donc c'est le roi, hein, Mulk. Meshia, Messia, le Meshi, le Messie. Le Messie, le roi Messie. Et Rahmana, souviens-toi en notre faveur de l'alliance avec Pinhas. Alors, Pinhas, c'était le petit-fils d'Élazar, fils d'Aaron, hein, qui était en fait le troisième prêtre des Juifs. Kahana, voilà, on trouve après. Kahana, en faveur, enfin, le prêtre qui a vengé la vengeance de Dieu en faveur, il passa. Et après, Rahmana, miséricordieux, souviens-toi en notre faveur de la prière de Shlomo. Shlomo, c'est Salomon, Suliman. Et ainsi de suite. Alors, vous avez plein de choses. Ça, ce sont les prières du matin chez les Hébreux. Donc, je vous ai sorti ça. Pourquoi? Parce que vous trouvez dans Al-Kulhan, la révélation de Dieu, vous l'avez c'est en arabe, et je vais vous donner pour les gens qui parlent en français, site culturel musulman universel, il est fait pour tout le monde, mais pour que les gens en France comprennent vraiment la religion. Donc, sourate les femmes, En-Nisa, hein, vous voyez là, sourate En-Nisa, et il est dit dans sourate 60, au verset 163, nous avons fait une révélation comme nous l'avons fait révélation à Noé, nous, et aux prophètes, après lui, nous avons fait la révélation à Abraham, Ibrahim, Ismaël, Ishmaël, à Isaac, à Jacob, Yahoub, et aux tribus, hein, c'est les 12 tribus d'Israël, et à Jésus, Issa de Myriam, à Job, à Yahoub, à Jonas, Younous, et à Araoun, hein, Aaron, et Salomon, Suliman, et nous avons donné le psautier à David, le psautier à David. Donc c'est très important, vous voyez, il n'y a pas une incohérence entre ce que je vous ai dit dans le Mazor al-Kippour, hein, à la porte de la délivrance, et ce propos que vous avez fait là. Voilà, c'est important de bien comprendre notre religion dans ce sens-là, et non pas de vivre dans une haine intestine envers des gens, alors que pour certains, ils ne connaissent pas les textes bibliques, hein, que Allah Ta'ala nous a bien expliqué que ces textes sont une grande partie véridiques, même s'il y a eu des falsifications. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel.